with a force. Yeah, blessings we are reaping, we coursing on. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un haul Shein. A tous les nouveaux, bienvenue, et aux anciens, vous savez que ici on parle vrai. Je fais ce genre de haul pour vous montrer comment les habits me vont, vous montrer ma taille, ma corpulence, etc., etc. Pour que vous puissiez vous référer avant d'aller shop online. Parce que ici on déteste return les habits. Je suis aussi ici pour vous inspirer parce que ma chaîne est basée sur les hauls, fashion, lifestyle, make-up et cheveux 4C. Donc si l'une de ces choses t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, de commenter tout au long et de me laisser un j'aime pour m'encourager. Donc, without further ado, let's go into the video. Donc, je vais essayer les habits. Tout au long de la vidéo, vous pouvez commenter quel habit vous aimez, quel habit vous préférez. Je vais aussi vous en parler de la qualité et vous proposer des styles tout au long. Let's go. Je vais commencer avec ce premier outfit. Donc, voilà, c'est ce haut. Un haut nude. Vous remarquerez dans ce haul et dans mes prochains hauls que j'étais vraiment on some nude joint. Vraiment, le nude en fait, je sais pas, c'était vraiment underrated avant. Mais je me rends compte que j'aime beaucoup le nude, ça me va vraiment bien. Quand on dit oh non, ça me va bien autant, en tout cas, ça me va bien autant. Donc je vais faire avec ce jogging beige. Ce jogging en fait, je l'ai pris en taille XS. Et le suivant aussi que vous allez voir, je l'ai pris en taille XS. J'aime beaucoup, c'est vraiment de la très très bonne qualité. La matière elle est très bonne, c'est vraiment pendant les temps froids, ça va te tenir chaud en tout cas. Et celui-ci passe partout en tout cas, avec des styles blazer, des styles trench. Si je veux faire un nude sur nude, c'est le parfait top. Ce jogging aussi, si je veux faire un ton nude sur nude, c'est vraiment très très parfait. Là, je viens d'essayer ce pull. Oh my god, j'aime trop ce pull et ce jogging. Comme vous pouvez le voir, c'est deux sortes différentes. Donc c'est deux couleurs différentes et je les ai pas achetées ensemble, je les ai achetées à part et je suis love. C'est vrai que j'hésite à les porter ensemble parce que j'aurais aimé que ce soit vraiment gris, genre les mêmes gris. Mais guys, like, ça passe en fait et c'est vraiment unique. Comme vous savez, ici on aime des choses uniques, on aime être à part, on n'est pas comme tout le monde par ici. So I really really love it. Oh my gosh, le jogging encore, c'est XS. Pour le pull, je vais mettre la taille. I love it. I love it so, so much. Dang. Oh my god, I love it. I love it. Tac, tac. En tout cas, ce sont le genre d'articles sur lesquels je peux passer des heures tellement la qualité est bonne. Il est, genre, il n'est pas, comment puis-je dire, lourd. Ah, comment puis-je dire, dans le mauvais sens. Il est lourd et vraiment la qualité de Shein est really coming through. Period. Donc cet outfit, en fait, j'ai pas voulu faire un outfit complet. Les couleurs ne sont pas trop agencées. Oh my god. C'est trop qu'on t'entende. Donc cet outfit, j'aime beaucoup la jupe. J'ai pas voulu faire un outfit complet parce que les couleurs ne sont pas agencées. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais porté un truc soit blanc ou beige en haut pour que ça aille avec les petites couleurs de la jupe. Bien un peu de jaune comme dans mon haul AliExpress. Mais c'est juste pour vous montrer en fait. Ce bodysuit, j'aime trop. J'aime comment il est découpé ici. Vous savez très bien que this is what we love here. La qualité de la jupe aussi, c'est une très bonne qualité dans le sens où ça fait le travail en fait. Ça fait le taf. Ce qu'on attend de la jupe, it does it. C'est genre le genre de style wrap. Si tu veux voir la longueur de la jupe, voilà. Si tu veux que ça soit plus long, tu peux aussi. Si tu veux que ça soit plus court, tu peux aussi. Donc en tout cas, je kiffe. Je peux passer des heures à parler de ça. Donc let's go. Next, je vais parler des chaussures. Des petits talons ici. Ma soeur déteste que je porte ces talons ici en fait parce qu'elle dit que c'est trop court. Donc moi j'aime vraiment. Avec ce genre de talons en fait, c'est vraiment le style classique directement en fait. C'est vraiment le style classique directement dans le sens où dès que tu portes ça, t'as l'air apprêté, you look expensive, j'aime vraiment. Et c'est vraiment sturdy. Like, je sais pas comment vous expliquer, I love these shoes so, so, so much. Aussi, je vais vous parler de ce sac. Donc, ce sac, au fait, c'est un sac vraiment que j'aime beaucoup. Malheureusement, il a maintenant des petites taches ici et là.
parce que je l'avais mis avec des jeans qui se sont décolorés. Et ça a un peu teinté le sac, mais c'est vraiment un très très joli sac. Le genre de sac qui passe partout, que tu peux porter avec n'importe quel outfit, n'importe quelle couleur. Et c'est vraiment joli. Donc il vient avec cette pochette où tu peux juste mettre tes maquillages, tout ce que tu ne veux pas que ça se voit à travers le sac. Comme tu peux aussi enlever la pochette juste pour porter ça comme ça. En tout cas, I really love each and every of them. Ne vous détrompez pas, en fait ça c'est un peu plus du nylon, du genre, comment puis dire, couverture, hein. c'est pas du coton. Si je me trompe, je vais préciser sur l'écran, mais voilà quoi. Et celui-ci c'est plus de l'élastène, du genre stretchy. Ceux qui connaissent ce genre de top de chez Zara, c'est à peu près la même chose, juste que celui-ci est un peu plus élastique, mais au rendu sur les photos c'est la même chose, donc on aime. Donc là je vous présente ce turtleneck noir. J'aime beaucoup. Et le turtleneck ne me sert pas du tout. Comme vous savez, j'essaie vraiment d'avoir le plus de basique. En fait, et ça c'est vraiment le basique en coton à avoir dans sa dragon robe. J'ai l'impression qu'il passe avec tout. Quand tu veux le mettre avec du genre un coat, une jaquette, un blazer, vraiment c'est le top à avoir. Donc encore pour le prix, c'est vraiment très bien. Je suis fan. Alors je vais aussi vous montrer ce sac. Donc vous voyez, je viens de l'enlever dans l'emballage où il était. J'aime trop. Est-ce qu'on peut en parler de ce jean? Guys, like, what? Ça c'est le sac qui passe avec toutes les couleurs de jean. Que ça soit clair, bleu. Genre ce sac, il me fascine. J'aime trop. Alors il vient avec ça. Il n'y a qu'un seul compartiment. Il vient avec cette bandoulière. Guys, what? C'est le genre de sac qui, comme j'ai porté noir là, ça donne un peu d'épices à ce que j'ai porté. Ça emmène un truc vraiment unique à mon outfit right now. On aime beaucoup. Pour un look chic sans effort, tu mets ça, ça, ça. This is what we do here. Là, à quoi ressemble la chaussure? Là, à quoi ça ressemble? C'est vraiment bien fait en fait. C'est vraiment très 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 bien fait. On va faire des épisodes. Soyez prêts. Abonnez-vous. Là, vous parlez de ça. Les affiches là. Que j'ai pair avec cette casquette. Bien sûr, je ne peux pas le porter avec mes cheveux ouverts parce que ma tête est trop grosse en ce moment pour pouvoir fit la casquette. Donc ça, je vais porter ça que quand j'ai ma perruque ou mes nattes. Donc, encore, je pense que vous avez vu ça sur les réseaux. Je vous conseillerais de ne pas porter avec un turtleneck, mais avec un crew neck. Et cette casquette, je vais vous montrer encore le style que j'appréhende avec. C'est vraiment à Paris et tout. Don't talk to me, I'm too bougie for you. Et en fait j'avais fait une erreur et j'avais commandé cette casquette deux fois et bizarrement la première casquette quand elle est arrivée, cette partie est sortie et je sais pas où je l'ai mise. Donc voilà, j'ai retrouvé. Donc j'ai cette casquette, c'est la même casquette juste que celle-ci, cette partie dorée est sortie, ce qui fait qu'elle est simple comme ça. Et bon, I'm not really mad, I'm not really pressed. Pour des jours où j'ai envie de faire ça, je vais porter celle-ci. Et pour des jours où je vais porter celle-ci. Tout ça pour dire que c'est vraiment cheap en fait. Parce que pour que ça arrive et déjà que ça sorte, en fait, c'est cheap. Mais de vue comme ça, elle est de bonne qualité. Donc, we don't care. Donc, juste après le haut gris, c'est le même haut, mais en café. Et il est sombre. Hein. Il est plus sombre que ce que vous voyez à la caméra. Donc, voilà. J'aime beaucoup. J'ai même l'impression qu'ils sont plus durables que ceux de Zara. Hein. Et je l'ai juste pair avec cette culotte parce que après ça, je vais vous montrer le reste des hauts que j'ai avec un collant noir simple qui me vient de chez Nasty Gal. Je vais juste vous montrer les hauts en fait. Et les trois derniers accessoires que j'ai. Donc voilà, ça c'est le genre de shorts pour faire des ensembles streetwear. Je vais vous mettre des photos là de ce que j'envisage. Donc c'est juste ce short qu'il faut l'avoir, c'est un statement piece et c'est vraiment un basique à avoir dans le garde-robe pour pouvoir faire des looks street parce que you just throw it on and you just throw on a graphic tee and you're good to go. Je pensais qu'il serait moins évasé là, mais bon ça passe en fait parce que
quelque chose qu'on peut tout soit arranger et c'est vraiment pas un si gros couac, donc ça passe vraiment. J'ai ce sac, il était dans mon panier pendant plus de 2 mois et finalement j'ai pu l'avoir. Donc c'est un sac comme ça, orange brûlé. It's a sturdy bag. Juste qu'il y a des petits fils ici et là, mais ça passe. Pour le prix aussi, c'est vraiment un bon sac. Il y a l'espace juste pour mettre son maquillage. Vous ne saurez même pas voir. Il n'y a même pas de poche dedans. Il y a juste l'espace pour mettre son maquillage, le téléphone, les clés et on y go. Voilà, je peux le mettre comme ça. Toutefois, je peux aussi enlever le câble pour le garder comme ça. Mais il sert à rien comme ça. Genre, je vais pas me balader comme ça. Donc, je garde le truc. Et c'est vraiment joli. Ça, si tu perces avec un haut noir ou des couleurs du genre jaune pétant, like you're really gonna make it worth. Donc, ce haut, c'est le même que l'autre turtleneck. La couleur est sublime. Elle me va très bien au teint. C'est une couleur pêche. Ça me va exactement comme l'autre. Donc, vraiment rien à dire. On vous fait un close-up. I love it. Ce haut, c'est le dernier de ce haul. En vrai, laissez-moi vous dire que ce haut, j'aime beaucoup la qualité. En tout cas, vraiment des trucs de qualité, genre. C'est vraiment une très bonne qualité. C'est du coton renforcé, si je peux le dire comme ça. Et je préfère être sincère et vous dire qu'en fait, si tu n'as pas une grosse poitrine, I don't think this top will do so much for you. Tu seras un peu en train de... Je sais pas comment expliquer cette partie, c'est vraiment pas stable. Mais you can still fake it till you make it, en quelque sorte. Mais sinon, la qualité, j'aime beaucoup. Même quand tu déballes, tu sens vraiment une très 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 bonne qualité. La couleur aussi est très très belle. Mais tout ce qui me dérange en fait avec ça, c'est que ici vraiment, je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression que si je bouge trop, on va voir ce qu'il faut pas voir. Mais sinon, I love it. Donc, c'était le dernier article. Et finalement, on arrive à la fin de ce haul. Je tiens à vous dire merci d'avoir regardé ce haul et d'avoir passé ce moment avec moi. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Si tu aimes ce genre de contenu haul, j'en ai plein d'autres. Et d'autres viendront chaque semaine. En tout cas, je ferai tout pour que ça vienne. Aussi, suivez-moi sur Instagram pour ne rien rater. Activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je fais sortir une nouvelle vidéo. Ici, je parle cheveux naturels, haul, fashion, lifestyle et make-up. Donc si cela t'intéresse, abonne-toi, mais abonne-toi. Surtout, dis-moi en commentaire quel était ton outfit préféré ou bien juste celui que tu as préféré et comment tu comptes le porter. Mais sinon, pour moi, I'm out. Peace out. Des bisous. Mouah.